Logiciel WinCall pour la traçabilité des appels malades de marque Ascom. Le logiciel est composé de zones. Dans notre exemple, nous avons la zone rez-de-jardin, rez-de-chaussée et R plus 1. Chaque zone comprend l'ensemble des chambres de l'étage. Dans mon exemple, je vois que la chambre 224 et 228 sont en appel. Les cases des chambres sont interactives. Quand un appel est lancé d'une chambre, la case de la chambre passe en bleu. Quand un soignant va dans la chambre et met la présence, la case passe en vert. Quand une urgence est lancée de la chambre, la case de la chambre s'allume en rouge. Quand une assistance est lancée de la chambre, la case s'allume en violet. Avec le logiciel WinCall, je peux faire une recherche plus précise d'un événement. Je vais sur Recherche, Multicritères, sur les appels de chambre. Je choisis l'étage qui m'intéresse. Par exemple, je vais prendre R plus 1, la chambre 204. Et je vais filtrer sur la journée du 20 septembre, par exemple. 20 septembre au 20 septembre. Je pourrais aussi filtrer, si je le veux, par heure, si je veux filtrer une heure précise. Je lance ma recherche. Et là, je vois, par exemple, sur cette ligne-là, que la chambre 204 a appelé le 20 septembre à 9h48 et 6 secondes. Qu'un soignant est venu dans la chambre à 9h53 et 16 secondes, il a mis la présence et une seconde après, il a éteint la présence. Dans notre exemple, le soignant est venu dans la chambre, il a appuyé sur le vert, sur le bouton vert, pour mettre la présence et il l'a éteint tout de suite et il a été voir quel était le problème du résident. Une fois ma recherche effectuée, je peux imprimer cette recherche ou l'exporter en fichier TXT pour le conserver au format électronique. Je peux aussi faire des recherches de statistiques. Je vais sur Recherche, Statistiques. Les statistiques se font sur l'ensemble de l'établissement. Je filtre par date. Dans mon exemple, je vais prendre du 1er septembre au 24 septembre et je pourrais aussi filtrer par heure si je voulais. Je lance ma recherche. Et là s'affiche pour la zone 1 rez-de-jardin. Il y a eu au total 236 appels, tout type d'appels confondus. Appel, présence, assistance, tout ce qu'il peut y avoir. Dans mon exemple, il y a eu 104 appels et 132 présences. La durée totale des appels a été de 14 heures 3 minutes 32 secondes, la moyenne de 8 minutes 7 secondes, le maxi 1 heure et 5 minutes. Donc là, dans mon exemple, la moyenne, c'est le temps entre le moment où le résident a appelé et où un soignant est venu dans la chambre faire la présence. Après, j'ai une deuxième zone où j'ai le calcul des pourcentages des durées. Pour les moins de 60 secondes, j'en ai eu 16%. De 60 à 90 secondes, 6%. Et si je prends un autre exemple, de 5 à 20 minutes, j'en ai eu 33,7%. Et j'ai eu sur la ligne du bas 132 présences pour une durée de 361 heures et 8 minutes. Je peux imprimer ma recherche en cliquant sur Imprimer. Et en cliquant sur la sélection de la zone, je peux passer à la zone suivante, zone 2 rez-de-chaussée, et voir les mêmes statistiques que je peux imprimer aussi. Et je peux aller jusqu'à ma zone 3, R plus 1, et voir aussi les mêmes statistiques. Quand j'ai fini, je fais fermer, et je ne ferme pas le logiciel, je ne peux uniquement le réduire. Si je ferme le logiciel, il ne tracera plus les appels de chambre.